Je suis arrivé 5 minutes après l'accident, donc j'étais sur les lieux très rapidement. J'ai vu donc une voiture qui était vraiment broyée dans un fossé, et puis plus loin, un bus qui était dans un champ complètement couché. Et j'ai vu en effet des collégiens sortir du bus par le pare-brise arrière, par la vitre arrière et par la vitre de devant. Les pompiers sont arrivés très rapidement. C'est une scène assez impressionnante avec une vingtaine de véhicules, de pompiers, deux SAMU, puis deux hélicoptères. Enfin oui, c'est assez impressionnant. Tout ça en rase de campagne, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Puis bon, c'est un endroit qui est tellement fréquenté que c'est une route où il y a vraiment beaucoup de passages, qu'on s'imagine pas qu'il puisse y avoir un accident là. Mais bon, on peut avoir un accident partout, hein, donc voilà.